Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous montrer comment débloquer le skin Midas de l'ombre sur Fortnite directement en jeu. Je vais répondre aussi à pas mal de questions, il y a pas mal de personnes qui ont demandé quand est-ce que le skin allait sortir, donc je vous ai trouvé la date. Il y a des personnes aussi qui ont demandé dans les commentaires si c'était une variante du skin Midas. Je répondrai dans cette vidéo à toutes les questions que vous nous avez posées dans les commentaires de différentes vidéos. Ensuite, on passe directement au vif du sujet. Donc, je vais répondre en premier lieu à toutes les questions que vous nous avez posées. Puis ensuite, je vous montrerai tout simplement la méthode pour débloquer le skin Midas Ombre en avance directement sur Fortnite. Donc, concernant le skin Midas, la première question, c'était tout simplement, est-ce que le skin Midas Ombre est une variante du skin Midas qu'on connaît actuellement? Alors, je vais vous répondre directement, non, c'est un skin à part entière. D'ailleurs, je vous mets un petit message à l'écran d'un message Twitter. Donc ça a été posté par Apex et retweeté par Spooky, qui nous dit tout simplement que le skin Midas Ombre n'est pas une variante mais son propre skin. Donc sa propre peau, c'est en gros que c'est son propre skin, c'est un skin à part entière. Le skin sortira en boutique mais on ne l'aura pas gratuitement sous forme de variante. Ensuite, concernant la date de sortie du skin, on a un petit tweet de FN Leaker, donc qui est un nouveau leaker dans le milieu, donc qui vient de commencer. Donc attention, information à prendre avec des pincettes, mais d'après ce qu'il nous dit, le skin Midas de l'ombre serait en boutique à partir du 31/10/2020. Donc en gros, le 31 octobre, on devrait pouvoir voir le skin dans la boutique. Avant de continuer la vidéo, je vous laisse quelques instants avec Ecart, du coup c'est à toi. Mais juste avant, j'aimerais vous parler d'un site que j'utilise très souvent, Arenum. C'est une plateforme mobile avec des tournois et des défis où vous pouvez gagner de l'argent réel en y participant. Vous pouvez jouer seul ou avec vos amis, en solo ou dans leur futur mode duo et squad. La création de compte est ultra intuitif, il suffit de se connecter avec un de vos comptes déjà existants. Vous pourrez vous rendre dans la catégorie tournoi et sélectionner le jeu que vous voulez. De plus, Fortnite Mobile arrive très prochainement sur leur plateforme, en sachant que pour participer, vous avez besoin que d'un seul billet. Les billets sont la monnaie du site, ils coûtent 1€ unité ou environ 60 centimes si vous prenez les packs. Et franchement, bah, c'est pas cher du tout comparé aux gains proposés. Par exemple, avec code mobile, avec un top 15, vous pouvez gagner jusqu'à 30€, un top 10, 45€, etc. On peut voir directement dans le classement que certains joueurs gagnent énormément, avec plus de 470€ par mois. Sans même avoir un gros niveau comme moi, on peut arriver à se classer facilement. Je vous montre. Bon, je viens de lancer du coup un tournoi à Arenum. Il faut que je me place dans les 15 premiers. Priez pour moi. Et pour le moment, top 30, encore 15 places. Et du coup, on pourrait remporter le tournoi à Arenum. Et du coup, avoir du coup un minimum de cash prize. Franchement, on est pas mal. Oh là là là, il y a un hélico qui passe pas loin de chez moi là. Oh là là, et les gens, je m'approche de la zone et il reste plus que 5 places. 5 places et j'aurai le cash prize enfin. Oh, quelqu'un m'a touché. Et j'ai fini 18ème. Franchement, même avec un tout petit niveau, vous l'avez vu, j'ai réussi à me classer. Donc franchement, c'est possible pour tout le monde. Pour retirer vos gains, il vous suffit d'atteindre un minimum de 10€. Vous pourrez ensuite faire un virement sur votre compte. Et de futurs modes de paiement arrivent. Donc suivez bien l'avancement du site car il a un sacré avenir devant lui. En tout cas, je vous ai dit le plus d'infos possible. Plateforme simple, économique avec de gros gains potentiels. Ainsi qu'une grosse variété de défis. Pour vous inscrire, je vous ai mis un lien dans la description. Merci à tous ceux qui le feront. Moi, j'ai plus qu'à vous laisser avec la suite de la vidéo, c'est à toi Bokuni. Et cette information a l'air quand même avérée, en tout cas que le skin Midas sorti en boutique, c'est sûr, puisque l'icône a déjà été créée, donc l'icône de casier comme je vous mets à l'écran, on peut le voir que le skin Midas, son icône a bien été ajoutée. On peut voir que le skin Midas de l'ombre est de rareté épique, donc le skin coûtera certainement 1500 V-Bucks dans la boutique, sauf si Fortnite change ça au cours tout simplement des prochaines mises à jour, ou s'ils nous le mettent tout simplement en pack. Vous le savez, avec Epic Games, on sait jamais, des fois ils nous le mettent en pack, des fois ils nous le mettent tout simplement dans la boutique. Souvenez-vous de l'événement de Travis Scott Marshmello, tous les skins d'événements sont sortis en boutique, donc déjà on peut être sûr que le skin Midas Ombre sortira en boutique aux alentours des 1500 V-Bucks s'il ne change pas ça lors des prochaines mises à jour. Comme je vous l'ai dit, pour la date de sortie du skin, prenez ça avec des pincettes. C'est une personne qui vient de commencer
dans le milieu du leak, donc ça peut être fake. En tout cas, ce qui est sûr, comme je vous ai dit, c'est que le skin sortira en boutique. C'est juste au niveau de la date, on n'est pas sûr. Donc vraiment, faites bien attention les gars. On sait qu'il sortira en boutique. La date, elle a été annoncée le 31/10, mais ça se peut que le skin sorte bien plus tard. Et enfin, dernière petite information que je tenais à vous mettre avant de vous expliquer comment obtenir le skin Midas, c'est un petit tweet de Fire Monkey qui est un leaker pour le coup connu dans le milieu. Il est là depuis très très longtemps, il a jamais fait de fake, il s'est jamais trompé, qui nous dit que en gros on a plusieurs petits achievements qui ont été ajoutés au fur et à mesure des mises à jour. Comme on peut le voir, on peut gagner un achievement en atterrissant avec Ant-Man, retour vers les ombres, donc vaincre Shadow Midas pendant Fight Nightmare, ça vous donne un achievement. Et enfin, et c'est pour ça que pour moi c'était une info ultra importante, c'est qu'on a le skin Ghost Rider qui va venir à 100%, parce que regardez bien, on a l'achievement qui s'appelle tout simplement Cavalier Fantôme, traitement d'un véhicule pendant Fortnite Nightmare, et ensuite on a tout simplement l'enfer sur roue, conduire un véhicule en tant que Ghost Rider. Donc déjà avec cet achievement, on sait que le skin Ghost Rider sera disponible prochainement dans la boutique. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble Ghost Rider, je vous le mets sur l'écran, voilà, à gauche, à droite, je vous le mets quelque part sur l'écran, et on peut voir quand même que c'est un skin ultra badass, ultra stylé. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas les films, je vous invite à aller les voir, c'est vraiment du très lourd. Pour ceux qui ne savent pas où sont les achievements, vous allez tout simplement sur votre jeu Fortnite, vous allez dans carrière, et tous vos achievements, ils sont juste ici, voilà, tout simplement. Donc ça s'appelle palmarès pour nous en français, et là, dès que vous allez réaliser tout simplement un succès, il va se retrouver ici. Donc là, en gros, on a le Ghost Rider qui a été ajouté. Donc le skin, comme vous l'avez vu, n'est pas encore disponible, donc on ne peut pas encore faire le succès, mais dès qu'il sera disponible, on pourra le faire, et du coup on débloquera l'achievement. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer le skin Midas en jeu en avance sur Fortnite. Alors malheureusement, pour faire cette petite méthode, vous aurez besoin du pass de combat qui est payant afin d'obtenir le skin mystique. Si vous avez le pass de combat et le skin mystique, bon nombre d'entre vous l'avez deviné, on peut prendre l'apparence du skin Midas de l'ombre. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est hyper simple. Donc il faut être palier 86 il me semble pour débloquer le pouvoir de Mystique qui vous permet de vous déguiser en n'importe quoi. Donc là, tac, enfin en n'importe quel skin que vous avez tué. Donc là il nous suffit tout simplement de chercher Midas. Alors pour ceux qui se le demandent, ça marche, la technique marche en solo duo section, et ça marche également en labo de combat si vous voulez vous amuser à troller vos amis. Donc là on cherche tout simplement le petit Midas. Donc là le but c'est juste de chercher le skin Midas qui est juste ici, d'ailleurs j'ai plus de vie. Et on va le tuer, on va utiliser le pouvoir de Mystique et vous allez voir qu'on va pouvoir l'avoir en avance, qu'on va pouvoir faire des émotes. Tant que vous ne tuerez personne, vous pourrez le garder toute la game. Donc c'est pour ça que vous pouvez le faire à chaque fois. Vous ne pouvez pas être banni parce que ce n'est pas un glitch. C'est tout simplement le pouvoir de Mystique. Donc ça marche avec le skin Iron Man, ça marche avec vraiment tous les skins. Donc même les prochains boss, vous pourrez le faire pour les avoir en avance et du coup troller vos potes. Ok, donc là il est mort, là on peut voir, je l'ai tué. Donc je vous ai fait des petits cuts aussi histoire de pas trop vous faire attendre. On a la tambourineur de Midas, on a le petit acolyte, donc il ne faut pas mourir, sinon vous allez perdre la possibilité de vous transformer en Midas de l'ombre. On se met dans un petit coin, on prend le pouvoir, donc là il est juste ici, métamorphe. Donc là on se transforme, et là regardez, on a Midas de l'ombre en avance. On peut voir comment il rend en jeu, donc quand il sortira dans la boutique, on l'aura exactement comme ça avec les petits effets. Et là vous voyez, j'ai Saint Bruner, je ressemble à Midas. Donc là on peut carrément obtenir le skin en avance. Donc voilà du coup les gars pour la méthode, vous l'avez vu, en plus le skin Midas reste hyper longtemps, il est hyper stylé. On a les petits effets autour avec la tambourineur de fondateur, il est encore plus stylé vraiment. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire les gars dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette technique et si vous la connaissiez ou non. Sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'oubliez pas que le lien du site dont Eckhart vous a parlé est en description. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.